et bienvenue sur Lorelai GoldenEye. Aujourd'hui, on commence un nouveau concept avec les tirages pour le mois de mars par signe. On commence avec les dés. Hop là, mais il s'en va. Et ce sera pour les cancers. Alors, ces petits dés, ils sont disponibles sur ma boutique au nombre de 3 à chaque fois en lot. Vous avez donc les chiffres, les signes et les planètes. On va partir avec deux jeux. On va commencer avec l'Oshozen, pardon. Ben, j'arrive plus à parler aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez problème de discussion, les cancers? Allez, je fais le tirage et je commande juste après. Et voilà, ça y est, le tirage est fait. Alors, les cancers, pour ce mois de mars, on vous invite à partir à l'aventure, à tenter, à vous exprimer. J'ai l'impression que vous êtes très brouillon en ce moment et vous ne voulez pas parler, que vous retenez quelque chose et résultat, ça bloque un peu l'avancée des choses. On vous dit que vous êtes trop dans le compromis, vous voulez trop ménager la chèvre et le chou. Résultat, bah, vous êtes complètement ralenti dans votre progression, vous êtes... En lutte permanente avec vous-même, vous voulez absolument garder le contrôle sur vous-même, sur votre situation, sur votre vie, sur vos émotions et tout ça. Et en fait, on vous dit, bah, le problème, c'est qu'en faisant ça, vous êtes complètement dans le noir, vous n'arrivez plus du tout à avancer. Vous voulez absolument vous conforter à ce qu'on attend de vous. Et en fait, on vous dit, bah, qu'en faisant ça, vous allez pas du tout où il faut, vous n'êtes pas du tout sur votre bon chemin. On vous dit justement qu'il va falloir apprendre à lâcher prise. Faites une petite introspection. Hein, demandez-vous ce que vous voulez vraiment, ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie, si ça vous rend heureux et tout ça. Parce qu'en fait, là, on vous dit que vous êtes pas du tout sur le bon chemin. Et en fait, on vous dit non, mais là, il va falloir retrouver son chemin parce que ça va pas du tout. Hein, vous n'êtes pas là où il faut. Voilà ce qu'on peut vous dire là-dessus. On peut vous dire ouais de prendre le temps hein, pour analyser votre situation, mais vraiment vous allez vite vous rendre compte que ça va pas, hein, que vous êtes coincé et que c'est vous qui vous coincez tout seul. Parce que encore une fois, ne pas vouloir vous exprimer, dire les choses comme ça devrait, à ne pas faire les choses pour vous, bah en fait, quand on veut contenter tout le monde, en réalité, on contente personne et surtout pas soi-même. Et ça nous cause des gros soucis. Alors, on ne parle pas spécialement de sentimental pour le moment. J'ai pas d'infos là-dessus. Peut-être que dans votre couple, il faut que vous... Enfin, après, je ressens vraiment une énergie très générale sur le fait de devoir s'exprimer, d'arrêter de vouloir ménager tout le monde. Je vois potentiellement une mère de famille, voilà, qui essaye de tenir les rênes de partout et puis qui finalement prend jamais le temps de souffler, de se retrouver ou de faire du sport ou voilà. Et en fait, on vous dit, bah le problème c'est qu'en faisant ça, tu vas étouffer, c'est pas bon du tout. Je vais quand même chercher un jeu sentimental, voir si on nous dit quelque chose. Mais je pense que le message il est très clair en fait. Après pour les célibataires, bah quoi qu'il arrive, c'est pas en faisant plaisir à tout le monde que vous serez épanoui et que vous rencontrerez quelqu'un qui vous correspondra. Bon, je vais quand même aller chercher un jeu, hein, je vous reprends tout de suite. Bon, donc j'ai pris l'améthyste Love pour faire un petit tirage. J'ai 4 cartes qui sont tombées, donc on parle d'une femme, d'une énergie féminine, donc la consultante. On vous parle d'une invitation à venir, d'accord, dans les 3 mois, mais bon, moi je vois quelque chose de beaucoup plus proche que dans 3 mois. Hein. Je vois quelque chose arriver là dans les jours qui viennent. Alors, il y a 2 possibilités. Soit c'est à vous de quitter votre masque, comme je vous disais, d'arrêter de contenter tout le monde parce que vous allez tomber sur une mauvaise personne qui va vous la faire à l'envers. Ouais. Quoi qu'il arrive, en fait, j'ai l'impression que cette personne qui va arriver, c'est pas forcément ce à quoi vous allez vous attendre. Je vois pas une belle énergie, hein. Donc on se méfie. J'aimerais vous dire que c'est l'homme de votre vie, mais ce ne sera pas le cas. Et je pense que c'est quelqu'un qui va plutôt essayer de se servir de vous. Donc, c'est pour ça qu'il est super important, vous, d'enlever votre masque de « je suis gentille, je suis mignonne, je suis mignon, je fais plaisir, ça me dérange, ça me gêne, mais c'est pas grave, je vais faire plaisir quand même. » Parce que vous allez aller dans le mur, vous allez vous retrouver à être... c'est un prédateur, en fait, celui qui arrive là. La personne qui arrive en face de vous, il y a un côté prédateur. Et donc, si vous êtes trop mignon, trop gentil, vous allez vous faire bouffer.
Et quoi qu'il arrive, on vous demande de faire attention à cette personne qui arrive vers vous là. Ça peut être un ex qui revient aussi, qui n'a pas de bonnes intentions. C'est pas quelqu'un de cool, hein. Alors, j'émets pas de jugement, mais vis-à-vis de vous, en tout cas, ça peut être quelqu'un de super. Voilà, mais vis-à-vis de vous, c'est pas quelqu'un de positif. Donc, moi, je serais vous, j'irai pas. Bon, on va conclure avec les portes de l'intuition. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Hop, on va prendre juste une carte, si c'est possible. Hop là. La fluidité. Bah oui. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et au-delà du fait de rencontrer les bonnes personnes et de vous attirer de l'aide en dansant avec des situations difficiles, comme le dit bien cette jolie carte, c'est surtout que, en fait, il faut que vous retrouviez votre équilibre à vous en étant exigeant ou exigeante, c'est-à-dire de se dire que vous méritez le meilleur, que si en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne voit pas votre valeur, et ben vous avez le devoir de vous barrer, en fait. Restez pas face à quelqu'un ou une situation qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir, parce que c'est pas bon pour vous, et c'est bon pour personne. Et on sait aussi que les cancers, vous êtes quand même très sensibles, donc il faut vous préserver, et surtout pas rester avec quelqu'un qui pourra se jouer de vous, ruser pour obtenir ce qu'il ou elle veut de vous. Donc voilà, retrouvez votre équilibre, hein, parce que là on parle du 3, pour moi c'est vraiment quelque chose de très équilibré, hein, le triangle très, très, très solide. Il y a aussi cette espèce d'image d'élévation qui vient, je vois une pyramide en fait moi, donc je vois vraiment quelque chose de très stable, ouais. Donc voilà, donc en fait c'est ça, il faut vraiment vous révéler pour vous élever et puis bah, justement retrouver cette stabilité, cet équilibre qui vous permettra justement après d'avoir de la fluidité dans votre vie en fait, dans vos relations, au boulot, voilà, si vous avez un chef qui se permet de mal vous parler, vous pouvez le remettre en place. Alors évidemment, il y a des façons de faire, mais de dire non mais je crois qu'on s'est pas compris là, c'est pas comme ça que vous devez vous adresser à moi, ou trouver les mots, trouver quelque chose qui vous correspond, parce que ce qui me correspond à moi vous correspondra peut-être pas forcément, mais dans tous les cas, vous laissez pas marcher dessus. Et surtout, n'essayez pas, encore une fois, c'est vraiment ce qu'on me dit, n'essayez pas de contenter tout le monde, parce que déjà d'une, ça n'est pas possible, et si vous contentez tout le monde, la personne que vous ne contenterez pas du tout, c'est vous. Et ce qui compte, c'est vous. Soyez un peu égoïste, égocentré, parce que quand on s'oublie, on peut pas être bien. Et si on n'est pas bien soi, bah, c'est difficile de l'être vis-à-vis des autres. Voilà, voilà, bah écoutez, ça va être un mois de mars sympathique, en tout cas, si vous arrivez bien à vous retrouver, vous risquez vraiment de passer un mois de mars plutôt cool. Vraiment attention à cette personne, hein. Je la sens pas du tout, il y a vraiment une énergie qui me déplaît vraiment, vraiment, vraiment vis-à-vis de cette personne. Moi, je dis les choses que je vois, hein. Je suis pas là pour vous raconter Walt Disney, même si j'aime beaucoup, j'adore vous raconter des super trucs chouettes et tout, mais quand il y a des trucs pourris, je vous l'ai dit aussi. Il faut vraiment veiller en dos de deck, j'ai le positionnement. Voilà, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Je crois que ça résumera parfaitement cette guidance. C'est vraiment ça. Bon, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une belle journée. N'oubliez pas de vous aimer, c'est le plus important, et de vous choisir. Et je vous dis à très vite. Keep cool and love.